à tous, bienvenue dans Terre de Splendeur, votre web TV. Aujourd'hui, je vous propose de venir longer avec moi la côte atlantique à la découverte du magnifique village de Walidia, donc c'est une magnifique station balnéaire. Ensuite, nous prendrons la route 180 km plus au sud vers une ville qui est patrimoine mondial de l'UNESCO, donc vous l'avez bien reconnue, c'est la ville d'Essaouira. Cette ville est un important centre ostréicole du Maroc. Nous avons d'ailleurs rendez-vous plus au nord de la lagune, où se situent les 7 hectares du parc à huîtres de Jacques Pinclou, propriétaire de l'Ostréa. Le restaurant est arrivé qu'en 2000. Ouais. Le parc existe depuis 1955. C'était le début quand mon père est arrivé au Maroc en 1950, donc il a créé le premier parc au Maroc. J'ai créé un restaurant à Casablanca en 93. En 2000, je suis revenu sur le parc même pour créer Ostréa 2. Donc les parcs à huîtres, depuis 1955, il y a eu beaucoup d'évolutions. Oui. Donc de 55 à 73, on importait les huîtres du Portugal. Actuellement, elles arrivent de Vendée. D'accord, donc au bout de 18 mois... Au bout de 18 mois, on a des huîtres de 18 à 24 mois, parce qu'on a les têtes de ponte, donc qui poussent plus vite. D'accord. Et qui sortent les premières. Et puis les plus petites viennent par après. Où c'est qu'elles sont consommées? Localement, donc c'est d'abord dans nos restaurants. D'accord. Et puis on fait de l'emporter. Elles sont labellisées, elles sont étiquetées avec l'Ostréa. Donc les huîtres sont vraiment un produit de luxe. Oui. Actuellement, vous produisez combien ici à Walidia? Il y avait 200 tonnes de marché, on est 3 ostréiculteurs à Walidia. Maintenant, on est 6 ostréiculteurs à Walidia, plus 9 ostréiculteurs à Dakhla, donc ça fait une quinzaine, et le marché est de 400 tonnes. Il est maintenant grand temps de goûter votre production locale, les huîtres de Walidia.